Tout de suite, le film préparé par l'ensemble du service des sports de Téléfoot. C'est parti. Il y a des voix qui restent, des intonations mythiques qui marquent toute une génération. Lorsque le jeune Franck Ribéry, appelé de dernière minute en équipe de France, crucifie la défense espagnole et Iker Casillas en ce soir du 27 juin 2006, toute la France exulte. Mais ce qu'il reste 15 ans après la compétition, c'est aussi l'inspiration géniale d'un homme que tous les fans de football en France ont adulé. Non pas pour son talent balle au pied évidemment, mais bien sa passion depuis la cabine de commentateur. Mars 2008, c'est un soir comme un autre pour tous les fans du ballon rond. La trêve internationale repose les esprits entre deux journées de Ligue des Champions. Bordeaux, Marseille et Lyon s'écharpent pour la conquête du championnat et Thierry Gilardi prépare, comme à son habitude, le match amical France-Angleterre devant avoir lieu deux jours plus tard. Mais ce jour-là, en ouverture du journal télévisé, la terrible nouvelle tombe. Le décès de Thierry Gilardi, il était le présentateur de Téléfoot, la voix des plus grands matchs de foot de ces dernières années. Notre ami et confrère nous a quittés hier à l'âge de 49 ans. Ce soir, son timbre, chaleureux et légèrement éraillé, ne résonnera pas dans l'enceinte du Stade de France pour France-Angleterre qu'il devait commenter. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Thierry. Du grand spectacle à suivre ce soir avec Jean-Michel Larquet et Romain Delbello. A tout de suite. Thierry Gilardi, c'est d'abord une énergie débordante, un sourire communicatif, un bourreau de travail, un fanatique du sport qui préparait ses matchs à la perfection, afin de retranscrire une passion qu'il a découverte très jeune. Une figure reconnaissable entre toutes pour celui qui excellait dans l'art de la petite phrase, un véritable féru de sport. Pour lui, c'est d'abord le rugby qu'il a pratiqué petit et qui reste sa plus grande passion, notamment lors de la Coupe du Monde 2006 disputée par l'équipe de France. Fini, il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. La France est en demi-finale. Le natif des Yvelines a alterné durant sa carrière entre le rugby aux côtés de Thierry Lacroix, au commentaire de l'immense exploit des Bleus contre les All Blacks, les Jeux Olympiques pendant 12 ans de Barcelone à Atlanta, ou même la Formule 1 sur Canal+ dès 1987, donnant sûrement des idées à notre Julien Febro national. Il passera même par la musique pour un succès plus limité, mais tellement sympa à regarder. Et le but de Trezeguet, la France championne du monde. Et c'est bien pour ce spectacle qu'on connaît tous le journaliste. Entre Canal+, où il y passera une grande partie de sa carrière, et TF1 qu'il rejoindra en 2005 pour une période malheureusement trop courte, Thierry Gilardi aura fait rêver des générations entières d'aficionados des matchs à la télé. Décrit comme au-dessus des autres par Charles Villeneuve, anciennement directeur des sports de TF1, Thierry Gilardi était doté d'une culture générale au-dessus de la moyenne, lui qui a dû se spécialiser dans le football lorsqu'il a su que sa carrière se dirigeait vers celui-ci. Car au-delà des coups d'éclat, des punchlines mythiques qui donnent encore des frissons lorsqu'on cherche ses best-of sur YouTube, Gilardi sentait le football et savait parfaitement l'analyser. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a présenté successivement l'équipe du dimanche, l'équipe de la Ligue des Champions, Jour de foot et bien sûr Téléfoot, au moment du pic de popularité de l'émission, comme par hasard. On pourrait parler des heures de ces célébrations sur les buts de Zidane et de Blanc en équipe de France, mais aussi de Paoletta ou même de ce bon vieux Patrice Loco en 94. C'est extraordinaire ! Le but de Ginola en 93 contre le Real. C'est extraordinaire ! On pourrait vous montrer des heures d'analyse, de phrases parfaitement senties et d'un visage reconnaissable entre mille. Gilardi est dans la lignée des plus grandes voix françaises du sport, et ironie d'ailleurs, il a remplacé au commentaire un autre regretté du monde du ballon rond. Car oui, avant lui, c'était bien Thierry Roland et ses envolées lyriques par dizaines. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais... Le football français a vécu peut-être ses plus belles années avec ces deux monstres au micro, les grands soirs de Ligue des Champions des années 2000 qui prenaient tout leur sens avec la simple présence de Gilardi au commentaire. Une voix qui a bercé l'enfance et l'adolescence de beaucoup de jeunes passionnés de sport et qui file des frissons encore aujourd'hui. Car si Zidane avait merveilleusement réussi son coup de tête contre Marco Materazzi, Gilardi l'a sublimé en y ajoutant cet aspect dramatique et douloureux qu'il savait si bien retranscrire. Oh Zinedine, pas ça, pas du tout avec pas ça Zinedine, oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
le commentateur préféré des Français qui faisait l'unanimité parmi les journalistes pour son professionnalisme et sa gentillesse, fait partie de l'histoire du sport français. Regarder un match de football, c'est bien, mais le vivre avec Thierry Gilardi aux commentaires, honnêtement, c'était encore mieux. Évidemment, nous ne sommes pas forcément complètement d'accord avec vous, mais c'est bien, Raymond Domenech, il est combatif, il a peut-être même joué la Coupe du Monde.